Le palais de bois, le petit village, a franchi le temps, traversé l'histoire. Quand on est vivant, peu importe l'âge, on vit au présent dans notre mémoire. Fondateur d'usine, humble ouvrier, rebelle ou saint, paisible ou guerrier, quand on se promène au hasard des rues, marcheur solitaire ou en amoureux, on voit les gens qui s'endorment de ceux qui sont nés ici, qui y ont vécu. Le palais de bois, le petit village, a franchi le temps, traversé l'histoire. Quand on est vivant, peu importe l'âge, on vit au présent dans notre mémoire. Sur une plateau de notre balance, Henri d'Aguesseau, chancelier de France, le pape Grégoire, le pape Clément, et Jean Cruvilliers, un grand médecin, chirurgien en père, monsieur Dupuytren, et Sadi Carnot, qui fut président. Le palais de bois, le petit village, a franchi le temps, traversé l'histoire. Quand on est vivant, peu importe l'âge, on vit au présent dans notre mémoire. Théodore Bach, avocat brillant, auteur de romans, et nous n'oublierons pas Jean Giraudoux, homme de théâtre, immense écrivain, et tant d'autres noms, tant d'autres destins, qui viendront un jour habiter chez nous. Le palais de bois, le petit village, a franchi le temps, traversé l'histoire. Quand on est vivant, peu importe l'âge, on vit au présent dans notre mémoire. Le palais de bois, le petit village, a franchi le temps, traversé l'histoire. Quand on est vivant, peu importe l'âge, on attend l'espoir.